Le 3 juin 1997, il y a 19 ans, jour pour jour, à Lyon et pour l'ouverture du tournoi de France de football, la France dispute un match contre le Brésil. À la 21e minute, l'arbitre siffle un coup franc en faveur du Brésil à 35 mètres du but français. Roberto Carlos, qui est gaucher, va tirer ce coup franc, donc il se met face à la balle et il fait une longue course pour tirer dans cette balle avant de l'envoyer finalement vers la droite du but. Et tout le monde la voit dehors, le mur, les défenseurs, le goal, les commentateurs, tout le monde. Et pourtant, moins d'une seconde plus tard, la balle est dans les cages. Et on terminera ce match sur un score de 1 partout. Mais on a quand même gagné la Coupe du Monde, alors c'est pas grave. Et à l'époque, tout le monde expliquait que ce but était magnifique et sincèrement, je comprenais pas pourquoi. Le mec avait tapé comme un bourrin, la balle était rentrée dans le but, le gardien de but, Fabien Barthez quand même, n'avait rien vu. Fin de l'histoire. Sauf que non, en fait. En réalité, la trajectoire de ce ballon est tout à fait ahurissante et fait intervenir un phénomène de la mécanique des fluides qu'on appelle l'effet Magnus. Alors avant toute chose, oui, il y a quelques jours, Physics Girl, qui avait déjà fait une vidéo sur l'effet Magnus, a sorti une nouvelle vidéo sur l'effet Magnus, que je vous invite à aller voir, après avoir fini cet épisode bien sûr, le lien est dans la description. Donc je me suis dit que j'allais creuser cette histoire de trajectoire de ballon, surtout à quelques jours du coup d'envoi de l'Euro 2016, et que en plus ce serait l'occasion de faire un beau tournage en extérieur et de montrer à ma grande communauté ma dextérité avec un ballon de foot. Et pour un beau tournage en extérieur, il faut d'abord un beau décor. Renseignement pris, comme c'était pas un jour de match, les joueurs sont à l'entraînement, au camp des loges. Donc ce qui va se passer aujourd'hui, là je suis en grandeur nature hein, sur un terrain de foot, je suis actuellement au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que YOLO, hein, voilà. Et l'idée en fait, comme vous pouvez le voir, je suis au niveau du corner, et on peut bien voir que depuis le corner, le but en fait, on voit absolument pas l'ouverture, hein, les deux poteaux sont parfaitement alignés. Mais il est possible, grâce à l'effet Magnus, de tirer un ballon dont la trajectoire va être tellement courbe qu'elle va finir dans les cages. À démonstration. J'ai la chance notamment d'être aujourd'hui avec monsieur Mister Marquinhos, dit le Marquis. Alors, je le dis comme ça, ça m'énerve. Bravo, bravo, ça m'énerve. Merci beaucoup. Hein. Donc, que se passe-t-il? Au moment de la frappe, le joueur frappe la balle sur le côté, provoquant ainsi une rotation de la balle sur elle-même. Et alors que la balle avance, le flux d'air qui arrive vers elle est le même des deux côtés de la balle. Mais dans le même temps, du fait que la balle est en rotation sur elle-même, il y a un phénomène de friction qui fait qu'il y a une fine couche d'air qui est quelque part emprisonnée autour de la balle et qui tourne autour de la balle avec elle. Il se passe alors un phénomène asymétrique. Du côté gauche, la balle va entraîner le flux d'air et l'accélérer, ce qui va provoquer une baisse de pression de l'air. Et dans le même temps, du côté droit, la balle va venir freiner l'écoulement de l'air, ce qui va provoquer une accumulation d'air et une pression plus grande. Plus de pression à droite qu'à gauche, la balle va être déviée vers la gauche. Ce qu'on appelle l'effet Magnus, du nom de Heinrich Gustav Magnus. Je sais que tout le monde s'en fout, mais voilà. Bon, alors Marquis l'a rentré, mais c'était peut-être sans doute la chance du débutant. Je suis maintenant avec Mister Lucas. Aïe, moulin. Ben voilà. Mister Silva. Ok, alors vous l'avez vu, c'est relativement tranquille à expliquer, mais il y a quand même 2-3 trucs dont je voudrais discuter. Tout d'abord, je tiens à préciser que c'est un effet qui n'a strictement rien à voir avec l'effet gyroscopique dont on a pu parler dans un épisode précédent. Notamment, c'est un effet qui ne peut pas se produire dans le vide. Si vous tirez le même corner dans le vide, la trajectoire de la balle ne va pas être courbe. Tout simplement parce que, oui, l'effet est provoqué par la rotation de la balle sur elle-même, mais il est bel et bien produit par l'air autour. Ensuite, une autre question que je me pose, c'est bon, ok, on a vu, la balle tourne à gauche. Voilà, ensuite elle va rebondir, elle va ralentir, elle va finir par s'arrêter. Petit jeu de l'esprit, s'il n'y avait aucun sol pour arrêter la balle, jusqu'où est-ce qu'elle irait à gauche? Est-ce qu'elle irait partir complètement à gauche? Est-ce qu'elle reviendrait à son point de départ? Est-ce qu'elle irait décrire un cercle? C'est quoi en fait cette trajectoire-là? Théoriquement, mathématiquement, c'est censé l'amener où? Alors, dans un cas théorique et hypothétique, impossible quoi, où la gravité ne viendrait pas gêner la trajectoire de la balle, cette dernière finirait par décrire un mouvement de spirale. C'est-à-dire qu'à la fin, on la verrait tourner en rond sur elle-même et autour d'elle-même. C'est classe quand même.
Voilà, donc il y a quand même quelque chose d'important à noter, c'est que ce qui permet à la balle de se courber depuis un point de corner, c'est qu'elle a suffisamment le temps de se courber avant que la gravité ne vienne gêner sa trajectoire. Et ça, bah, ça signifie deux choses. D'abord, il faut taper suffisamment fort pour que la balle ne soit pas immédiatement gênée par la gravité. Et ensuite, il faut qu'elle reste suffisamment longtemps en l'air pour que la trajectoire ait le temps de se courber. Du coup, s'il faut taper fort et qu'il faut attendre un peu de temps, ça signifie que pour obtenir une telle trajectoire, il faut quand même bien être à une distance de 20 ou 30 mètres des buts minimum. Pour vraiment avoir un effet marqué. Marqué. C'est un jeu de mots. Ce qui est beau dans cette histoire, c'est qu'un sportif de haut niveau, qui fasse du football, du baseball, du golf, du tennis, va s'entraîner des centaines d'heures pour être capable d'avoir ce niveau de précision, pour que son cerveau enregistre absolument tous les paramètres au niveau du corps, pour que tout ça devienne un automatisme, sans nécessairement se préoccuper, bien évidemment, de toute la physique qui est sous-jacente à ce phénomène. Mais derrière la beauté de ce geste dans sa réalisation, ce que moi je vois surtout, c'est bel et bien la beauté de la science dans son application. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à vouloir y penser. Alors avant toute chose, je voudrais remercier sérieusement et formellement le Paris Saint-Germain qui m'a permis d'aller tourner au Parc des Princes ainsi qu'au Camp des Loges. Bien sûr, je voudrais également remercier les joueurs Lucas, Marquinhos et Silva qui se sont prêtés au jeu de cet épisode. Comme je vous l'ai dit au tout début, cet épisode est le fruit d'une collaboration. Il n'y a absolument aucun placement de produit, il n'y a aucun contrat qui a été passé entre eux et moi. Du coup, je me sens suffisamment libre de vous rappeler que le Paris Saint-Germain a une chaîne YouTube qui est disponible ici. Voilà, donc c'est une chaîne en plus qui a le bon goût d'être tout à fait active. Et notamment, voilà, je fais un lien vers une des vidéos qu'ils ont faites en 360, le jour où je suis allé tourner. Et donc, si vous prêtez l'attention, bah, vous pouvez me voir en caméo dans le fond. Coucou. Comme toujours, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer ici pour vous abonner, comme ça vous serez notifié des prochains épisodes. Vous pouvez suivre l'actualité de la chaîne ainsi que mon actualité perso, voilà, sur Twitter, Facebook et Google+. Merci aux tipeurs. Grâce à qui je peux continuer de faire ce que j'aime en ayant les moyens de faire ce que j'aime. C'est super cool. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker avec un pouce comme ça. Si vous n'avez pas aimé cet épisode, n'hésitez pas à ne rien faire dans le doute, mais sinon vous pouvez toujours mettre un pouce comme ça. Dans tous les cas, s'il vous plaît, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Hein. Alors là, j'ai un moyen mémotechnique, vous allez voir, c'est super. Il faut se rappeler du clap. Hein. Clap. Commentaire, like, abonnement, partage. D'accord ? C'est facile. Je vais faire une petite chanson, un jingle pour qu'on se rappelle bien, d'accord? Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, bien sûr, restez curieux et prenez le temps d'y penser. Commentaire, like, abonnement, partage. Commentaire, like, abonnement, partage. Commentaire, like, abonnement, partage. Commentaire, like, abonnement, partage. Ça va se régler avec After Effects, vous allez voir. Hein? Ouais, hein?